Bon, bonjour les Warriors. Allez me réveiller, Kati FMI. Quand je promets, je fais. Et vous me réveillez aussi à ce petit bordel-là qui m'insulte là. Que vous aimez entendre. Écoutez, voilà, là, je suis en train de dormir, mes Warriors. Moi, je vais faire mes petits ménages. Le numéro, appelez ce numéro, s'il vous plaît. C'est une femme qui me menace au Cameroun. Son numéro, c'est 00237. 00237 6 77 97 90 73. Prenez-moi ce numéro. Vous entendez, non? Son numéro, c'est 00237 6 77 97 90 73. Bon. Donc, il y a une autre histoire qui se passe. J'ai dit. Madame, je ne te connais. J'ai dit que. Ma chérie, c'est déjà un honneur que je te parle même. J'ai d'abord besoin de te connaître. C'est toi qui viens me dire des informations sur Kati FMI. Je ne te connais même pas. Je n'ai pas. Viens en Facebook, je suis en direct là. Hein. Ton numéro, voilà ton numéro que je donne. Ton numéro, c'est 00237 6 7 7 9 7 9 0 7 3. Je donne ça en direct. Donc, sache que tu vas recevoir les messages là-bas où tu es. On m'a aussi de harceler. Et que son numéro, c'est 00237 6 7 7 9 7 9 0 7 3. Bon, bye, je te laisse. J'ai passé un bon moment avec toi, comme tu viens m'insulter chez moi. Alors, je te bloque. Je ne parle pas des gens comme toi. Merci, c'était un régal avec toi. Voilà les Waros. Voilà, j'affiche. Ouais, laisse que j'affiche son numéro ici. Que les petites bandites qui marchent avec Kati FMI là pensent que ça se passe comme ça. On vous a dit qu'on est pareil. J'épingle ton numéro ici. Voilà ton numéro à Facebook. Comment t'as dit que j'ai peur de vous? Vous vivez avec les tontines, les petites machines. Si Kati FMI me répond, elle me répond si elle veut. Moi, c'est 100 ans avec elle. On vous a dit que c'est quoi? Ça se passe comme ça. Un baiser, on vous a dit comme intimide. Vous ne me connaissez pas bien, hein? Regarde-moi les sales gens comme ça. Les sales misérables pauvres femmes. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous me connaissez? Vous croyez que vous me laissez abattre? Parce que c'est Kati et c'est dans la Kati. Ma vie est ma zota, mon soeur. Viens, on vient de garder 100 ans. Les gens qui t'appellent à vous, ne me répondent pas là. Ils me disent, tu vas que me répondre. Oui, c'est comme ça avec moi. Maman, même toi, à Katéline, à toi, à mon téléphone, on dit. À toi, à mon mais imbécile. Maman. Une femme qui vit du faux. Faux usage de faux. Tout chez toi est faux. Pas la vie. J'ai tout mon temps avec toi. Tu attends, non. Comme tu sors avec le président du tribunal là, de Yaoundé. Parce qu'apparemment, tu es la femme du président du tribunal de Yaoundé. Et que tu m'attends. Tu as déjà fait ça une fois quand j'étais au Cameroun. Quand ils avaient clashé là. Tu dis que quand tu vas monter à Yaoundé, tu sais toi qui est Yaoundé, Yaoundé c'est pour toi. Quand je vais monter à Yaoundé, je peux prendre les voitures, m'arrêter. Vous devez arrêter, vous avez les petits mots dans vos bouchées. Hein. Moi, dès que tu as un problème, on vous attend. Va vous porter plainte, Kati. Quand tu couches avec le président du tribunal de Yaoundé, là, va vous porter plainte. On va voir ça. Imbécile. Il y a une manière. On vous a dit que je suis dans l'intimidation, là. Moi, le final avec tout le monde ici à Facebook, là, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Tu crois que j'ai peur de toi? Je ne peux pas avoir peur de toi. Je ne peux pas avoir peur de toi, Kati. Va même coucher même avec qui, même avec Paul Biya. Va que j'aille coucher avec qui tu veux. Les Camerounais appartiennent tous. Tu es d'abord Camerounais, toi. Tu es d'abord Camerounais toi-même. Tu es Camerounais. Et puis, il y a des petits gens qui viennent me voir. Non, il faut laisser Kati. La cache. Je cache Kati quand je veux. Je fais ce que je veux. Allez m'insulter. Attendez-moi à Yaoundé. Maman, même les gens qui viennent dans les moussines, ils parlent la veuve. Regarde-moi les sales femmes comme ça. Venez encore dans mon inbox. Voilà ton numéro, ton petit pauvre misérable numéro que j'ai affiché ici. Tu seras obligé. Tu seras obligé d'aller changer ton numéro. Tu seras dans la carte d'identité. C'est quoi? Les petites intimidations à la noix. On t'a comment faire ça? Hein?
tontine, escroque les gens parce que tu es une femme qui escroque. Toute ta vie, tu as escroqué les gens. Toute ta vie. Une femme qui aime le Congo, ça dans l'inbox, elle parle de tout. Vos vies seront dehors. Attendez quand il va vous détailler vos vies. Ce qui se passe là-bas dans vos tontines, vous allez comprendre. Une femme dans une tontine, elle crée peut-être 10 tontines dans la même tontine. Et c'est tu elle qui bouffe. Elle avait cette acolyte là. C'est tu elle qui bouffe. Rambousse maintenant l'argent, tu ne peux pas rembourser l'argent aux gens. Les problèmes commencent. Elle te rembourse maintenant alors, les problèmes commencent. Oh ah, oh ah, oh ah, tu ne rembourses jamais rien. Elle va tous vous arnaquer. Hein? Même ces produits-là, vous ne payez même pas ces produits. Ne payez plus ces produits. Tout ce qu'elle vend là, c'est faux. C'est moi qui vous dis. Ne payez pas ces produits-là. Il n'y a pas de produits amélissants sur ça. C'est moi qui vous dis. Elle fait 5 jours sans manger. Comme vous la voyez là. Tu es tombé vanille la dernière fois. Pourquoi? Pourquoi tu es tombé vanille la dernière fois, Cathy? Il faut nous dire la vérité. Mais moi, j'ai la vérité ici. Je vais te faire. Comment t'as dit dans vos pépettes là? C'est dans vos pépettes là? Même les saletés comme ça. Je viens avec le tribunal, le président du tribunal. Maman, et Baya, même toi, maman, portez plainte. Je dis au Cameroun quand je veux. Je ne suis pas une mandiane ou crevage. Tu as prêté 100 000 francs à mon frère. Non, mon frère, je veux t'apprêter 100 000 francs. Non, tu as ramassé ça aujourd'hui. Je ne sais pas que tu es devenu milliardaire. Je ne sais pas que tu es devenu riche. Donne-moi les 150 euros de PCSC. Je vais les prendre dans la pomme parce que je vais occuper l'argent de mon frère. Tu m'entends? Il y a quand même une chose comme ça. Et là, nous aussi, là, la famille Jason. Moi je m'en vais loin là-bas à Château Rouge. C'est tout. Tu vas enregistrer et le temps que va me porter plainte. On dit que moi je fais dans les enregistrements. Voilà où te présente des tontines. Voilà alors sa vie, Cathy FMI. Elle enregistre tout le monde, tout ce que vous faites. Votre groupe WhatsApp là. Vous n'êtes pas ce que c'est dedans aussi. Elle est nouveau petit que c'est droit. Hein? Dis donc. C'est qui ça? Les filles de Mbengon ont pitié de toi. Les filles de Mbengon ont pitié de toi. C'est-à-dire que faites bien sa tontine avec elle. Elle va vous bouffer là-bas un jour. Elle va fuir le pays là. Parce que comme elle rêve tellement de Mbeng. Même si je suis pauvre vraiment, je vis en Mbeng. Hein? Je vis en Mbeng. Tu attends. Comme tu aimes trop l'avion là. Elle dit comme tu aimes trop l'avion. Mais tu ne peux pas l'avion, hein, pour la Yaoundé. Hein. Normalement, je crois qu'il y a des petits avions, des petits châtels là. Tu ne peux pas l'avion. Moi, quand j'étais au Cameroun, je prenais l'avion pour Yaoundé. Hein. Moi, je n'aimais pas m'asseoir dans l'hôtel assise. Je prenais l'avion. Yaoundé doit là. Tu comprends? Il ne faut pas de l'avion. Parce que tu as tellement besoin de Mbeng. Tu insultes les Mbengues tous les jours, mais ce sont les filles de Mbeng qui te font vivre. Il faut nous respecter. La plupart, les filles qui font ta misérable tontine, ce sont des filles de Mbeng.
Tu vois, alors, vous faites une torture, vous avez juste ça, des choses comme ça que vous ne respectez même pas. Et qui vous parle fort. Vous, non, comme ça. On a, mais ça, déjà, Kati. Quand tu me réponds ou pas, il y a une guerre de 100 ans. Maintenant, il y a une guerre de 100 ans. Parce qu'on dit là. Regarde-moi ça. N'achetez pas ces produits. Vous entendez? N'achetez pas. Les têtes qu'elle pas ramasser les feuilles mortes, les feuilles mortes d'un séché, ban, elle dit que c'est une. Et ça a parlé pendant une semaine. Hein? Les hommes noirs aiment les femmes qui ont les fesses et qui sont grosses. Hein? Toi, t'as pas que tu veux devenir mince, mince là. Que c'est comment? Tu ta femme, tu manges les bananes et les fruits pendant une semaine. Tu manges seulement. Le problème, jusque là, tu n'as même pas maigri. Jusque là, tu n'as pas maigri, hein? L'été à négligeant. Fais ta publicité à Facebook, je vais te knock ça, tu vas voir. Comme ça, alors tu vas prendre une bonne exemple d'aller me porter plainte. Va me porter plainte. On va voir ça. On va appeler ça les pet-pets là. Hein? Une femme qui vit dans la débauche. Hein? Comme toi, la Kati. Tu es dans la débauche. Tu prêtes ici, tu donnes là-bas, tu le donnes ici, tu le prends ici, tu vas encore prêter. Ça, c'est une vie. C'est pas pour montrer que je suis bien. Hein? Quand le gars banique là, t'épouse, non, on voit, non. Quand il va te balader dans mon coin, tu vas comprendre. Tout ça. Parce qu'il faut qu'elle montre ce qu'elle aussi. Elle est quelqu'un. On dit que bon, John, tu n'es rien devant moi. Je te dis que rien. Tu entends, non? C'est vraiment celle-ci. Tu dis que je t'avais appelé quand j'étais comme qu'on devait se voir. Pardon? Il y a des gens comme toi. Tu vis du mensonge. Tu es une menteuse. Quand je suis arrivé au Cameroun, mes chères soeurs ou frères qui me regardaient, j'avais mis mon numéro de téléphone à Facebook. Parce que je suis allé au Cameroun pour commencer l'histoire de fameuse histoire de Pangou groupe. Parce que j'avais. Il y a une histoire de Pangou, je suis parti au Cameroun. J'étais à Yaoundé, à Ekoumoudou, à l'hôtel, le bel hôtel que j'étais là, que vous avez montré là. C'est comme ça que je suis assise comme ça. J'attends que quelqu'un m'appelle. J'avais mis mon numéro de téléphone à Facebook. Les gens qui venaient me rencontrer à l'hôtel, je suis à tel hôtel. Tu as entendu? Comme ça, la plupart des gens ont pris mes numéros de téléphone. Je t'appelle que toi et moi, quoi. Toi et moi, on se parlait encore quand je suis allé au Cameroun. Toi et moi, on se parlait. Ce n'est pas toi même si qui est venu dans mon inbox. Hein? Ce n'est pas toi si. Je suis tellement pauvre. Ce n'est pas de toi qui paye mon hôtel à Yaoundé. Je ne peux pas être là-bas. C'est pas que tu as rempli la maison. Le truc. Je vais te clasher tous les jours. Je dis que hein, tous les jours, j'ai des problèmes à régler. J'ai d'avoir mes problèmes à régler ici avec certains ici à Paris. Tu entends, non? Regarde-moi ça. Hein? C'est nous-mêmes. Parce que quand ils te clashent comme ça, ils donnent la valeur. Hein? Je suis une benguiste. Par preuve du contraire. Et nous, ça ne mange pas de bengue. Tu entends, non? Donc, dis donc. Je me suis même rabaissé à être ami avec des gens comme toi. Tu crois que moi, je veux être ton ami? C'est toi qui cherches des amis à Facebook. C'est toi qui es venu me connaître comme une puce au cul. Voilà le numéro de ta copine ici. Ta copine qui me menace. Voilà son numéro ici. Pour de petites sales misérables bouches que vous avez à Yaoundé là, tu es qui, tu es quoi? Je suis quelqu'un, vous n'êtes rien. À l'âge de 6, on a l'âge de 40 ans, 45 ans. Si vous êtes encore des tirs à ça, être marié. Adieu, vous allez coucher avec vos ministres là quand? Depuis quand? Vous allez coucher avec eux, coucher. Vous allez vieillir, vous avez la barbe aux doigts, une année. Hein? N'est-ce pas ta copine s'est mariée là-bas, on est en train d'inviter au mariage. Parce qu'elle a su ce que tu es. Elle ne voulait pas la racaille dans son mariage. Tu as mis avec tout le monde. Tu fais des commerçants ici, tu vas répéter là-bas. On t'a dit que quoi? Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire là qui? Mouf! Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas. Ne payez pas ces produits, c'est moi qui vous dis. Ah.
payez pas ces produits, vous allez le jeter. C'est moi qui dis. La campagne est lancée. Ne pas c'est ma personne. Ne pas c'est ma personne. Allez alors, perdez votre argent. Allez payer les produits. On va voir si vous allez m'aiguiller. Vous n'allez pas m'aiguiller, c'est moi qui vous dis. C'est une fake woman. Elle dit du fake. Quand tu es fini, dit du fake woman, c'est une fake woman. Elle fait tous les jours que Dieu a fait. Parce que quand les gens arrivent comme ça, mon doigt à Catherine, elle ne sait pas comment c'est pour dire si elle a une tortue, que sa tortue, c'est tous les lundis ou tous les quoi là. Elle cherche maintenant, parce que là maintenant, elle les a vus. Elle cherche comment faire pour escroquer. Pour escroquer. Pour tontiner. Cathy est FMI là. On a fait une conscience du fait. Hein? Depuis des années là. Le duplex, ça n'est pas encore fini. Maman. On a fait une conscience du fait. Du de quoi? Normalement, tu n'as plus vivre en location. Hein? Parce qu'au dernier nouvelle, tu avais monté les appartements ici que ça t'appartient. On a monté ici à Facebook. C'est même, même pas toi. Là où c'est les poules et les moutons qui dorment là-bas. C'est les appartements. Tu viens montrer que tu es bien situé au Cameroun. Alors que tu souffres. Alors que tu souffres. Viens, ben non. Viens, ben, qu'est-ce que tu respectes là? Tant mieux pour eux. Moi, je ne peux pas te respecter un jour. Tu insultes les mbengues tous les jours, mais les mbengues sont sur derrière toi. Toi-même, tu sais de mon quoi et que tu vas te faire là-bas. Moi, je ne peux pas te respecter ton job. Dire, jamais. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Ta vie, c'est quoi? Hein? Ta vie, c'est quoi? Je te demande. Depuis des années que tu fais le faux. Quand tu es parti vivre à Bamenda là-bas, parce qu'elle vendait, la sauvette, tu connaissais les femmes qui portent le couvent Koumala. Elle vendait, elle quittait pour aller vendre à Moutengene, à Limbe, à machin. Mais je peux te. Je peux te monotana et n'y. Tu es parti, tu as quitté ton gars. Tu es parti vendre les. Ou c'est les tomates, ou c'est quoi, Limbe? Tu as fait 6 ans là-bas, 6 ans sans voir ta mère, rien. J'ai dit que vous là, j'ai dit que jamais viennent en battre. Vous comprenez, non? Je préfère que certaines personnes ne me parlent plus. Si c'est pour toi. Demande-moi, demande-moi que la vie ensemble. On a quel ami ensemble, toi et moi? Mais dis que, hein, même si tu me dis que je suis pauvre, regarde. Je viens, mais. Tu m'entends, Cathy? Je viens, mais. Tu as vu? Voilà ce que je vois le matin. Tu as vu? Voilà le train qui passe. Tu as vu le train là? Voilà ma tour Eiffel. Je respecte l'air de Mbeng. Tu entends? Je respecte l'air de Mbeng. Si chez moi là, moi au moins, je respecte l'air de Mbeng. Je n'ai pas de problème qu'on va dire que machin a fait ceci. Tu entends, non? On n'est pas pareil. Si je veux là tout à l'heure là, je finis de faire mon ménage, je me repose, je m'avais mangé sur les Champs-Élysées. Je vais t'amener sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, je t'amène sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées que tu veux trop voir là. Vous êtes là, vous ne respectez pas les gens. Tu entends? On t'a dit que je suis dedans. Même si je suis pauvre, dans ma pauvreté, je t'engueule comme je veux. Oh, ouais. Regardez-moi ça. Benguis. Les Benguis. Oui. Nous sommes les Benguis, nous sommes les pauvres. Tu es dans les inbox. Les inbox, le Congo ça de ça. Matin, midi, soir, Congo ça. Matin, c'est quoi, Cathy? Quand on dit déjà qu'on a une association, c'est-à-dire qu'on a encore une tontine, on doit rester digne. C'est toi qui quête ta tontine et c'est toi qui es dans les inbox. C'est quoi? On n'a pas de parler, on t'a dit que moi j'ai peur de toi. Je suis ton adepte dans tes mensonges que tu fais là.
Je ne suis pas, ton adepte, d'accord? Il faut me respecter. Je suis ta grande soeur. Je suis ta grande soeur, il faut me respecter. Je dis que toi et moi, c'est la guerre de 100 ans. Plus jamais, toi et moi ensemble. Plus jamais. Tu peux te valoriser devant moi? Tu peux te valoriser? Tu as quoi? Donc, moi, je n'ai rien. Toi, tu as. Et puis les petits, ça vient me parler, ils m'ont dit, non, tu vois, la vie de Katia FN a changé, elle marche avec les riches. J'en ai rien à foutre. Pas même baiser avec Paul Biya, je m'en fous. Salope. On a bien voir tous les jours. Tous les jours, les tout, tu vas encore sortir les vieux caleçons que tu veux sortir la dernière fois. Que pour que c'est moi. Elle a le matin, je suis petite. Elle va sortir les gros caleçons comme ça. Elle parle une de mes robes. J'avais déjà acheté la robe, là, deux robes. Je lui ai donné une robe. Et moi, j'avais une autre ici. Vrai ou faux? Je ne sais même pas là où tu as mis ça. Je ne sais même pas si ça part encore à l'énigme. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Une menteuse comme toi. Hein? Elles ont toujours 27 ans. Toujours 27 ans. Elles n'ont jamais 30 ans. Et le visage se montre, le visage que celle-ci assume en activité. Maman, comment tu es devenu puissant? Maman, la femme des puissants du Cameroun, imbécile, va. Tu vas m'attendre à l'aéroport, non? Tu vas m'attendre à l'aéroport. Est-ce que quand moi je pars au Cameroun, je mens? Je dis qu'un jour, arrive à l'aéroport, tu vas m'attendre à l'aéroport. Tu vas venir m'arrêter, on va voir ça. Maman, mon doigt a bien oublié. Il y a une manière. Tu rêves toi de me mettre en prison depuis des années là, le tout si tu veux me mettre en prison, vrai vrai. Parce que j'ai insulté mon doigt. Ça n'a pas un doigt. Hein? C'est des histoires. Je dis que hein? Tu vas venir comme ça, tu vas mettre une bengue en prison. Tentez-moi là-bas. Quand vous dites que je n'ai rien, que vous avez. Moi, je vais vous montrer. Alors, quand vous avez le président du tribunal, moi, j'ai ceux qui sont devant le président du tribunal. Il y a une maman que je quitte ici 6000 km. J'arrive dans mon pays, que Dieu ne me fait pas. Tu vas voir. Imbécile. On dit les beaux petits mots que vous avez toujours la moindre des verges. Maman. Maman, tu vois que je n'étais pas répondu parce que je n'étais pas répondu parce que je n'avais pas vu la vidéo et j'étais occupé dans mon canda ici. Tu avais vu la vidéo, j'étais répondu là, là, là. On t'a dit quoi? C'est dans vos choses là. Hein? Tu ne m'as pas rien. Tu entends, non? Moi, je suis une puissante femme, comme tu veux. Rien à foutre de votre puissance de merde. On vous a dit que je suis une personne timide. C'est qui ça? Non, papa. Tu as dit ton yom. Je ne peux pas te laisser. Je vais t'insulter tous les jours. Moi, j'aime d'abord les problèmes. Et j'aime quand ça chauffe à Facebook. Tu m'en as pire tous les jours. Et les gens qui me regardent dans la fenêtre, là, c'est ce que tu viens là-dedans. Vous, là, je vous emmerde. Tu attends, mon Cathy. N'allez rien payer chez elle. Ne payez aucun thé. Vous allez mourir. Quelqu'un qui vend ses médicaments, elle met ton évanoui. Vous ne dites pas que c'est là-haut. Maman, ne payez rien. Des petits mots, des choses. Moi, j'étais atteint ici au Cameroun. Yangue m'a oué mes sorts. Je vais vivre au Cameroun. Mais je m'en vais. Je reste ma Yaoundé. Je fais comme je le fais, je donne mon nom, l'hôtel. La police va venir me trouver là-bas. Tu crois que je peux avoir peur de toi? Putain de bordel! J'ai peur de prison. Pas mon porter plainte à la CPI. Pour coup pénal international, va porter plainte. Va me porter plainte à votre fameux. On appelle ça comment Interpol. Je suis recherché, je suis une bandite. Je suis une bandite. Allez-y, va me porter plainte, Kati. Imbécile.
Vas-y. Bon, j'allais où là? Rien à foutre. On va rire. Encore le boulot. Rien à foutre. On va faire ça entre nous. Bien, bien. Tu attends, non? On t'a dit que c'est ça. Mouf. On t'a dit que le sang est la colleuse. On se trompe, on t'a dit que le sang est la colleuse. Hein? Vous ne connaissez pas très bien. Je suis presque même dans ma pauvreté, je suis orgueilleuse dans ma pauvreté. Je ne peux pas accepter qu'un petit individu de rien du tout, de merde me parle. Dès qu'il y a un problème, j'arrête de porter un problème. On t'attend au Cameroun, on va t'arrêter. Je vais venir. Le Cameroun est devenu votre juet. Les gens font des problèmes des réseaux sociaux tous les jours. Je t'attends au pays. Je vais venir, non. Et toi, tu vas mettre une benguise en prison. Le rêve de ça. Toi-même, avec toutes les condamnations que tu as, faux usage du faux, matin, midi, soir, les problèmes. N'ai jamais vu une femme qui est convoquée dans toutes les prisons comme toi. Attendez, quand on va vous escroquer dans votre tontine là, vous croyez que vous allez l'arrêter? Hein? Où est ton bar là que tu avais? Elle avait un bar avant, non? Elle avait un bar. Tu as payé le loyer de page, hein? Papa Jean. Tu as payé le loyer. Imbécile. Si Cathy te reprend encore, tu vas voir. Cathy, c'est qui? Je m'en fous, je m'en fiche. Si tu veux, tu me reprends. Si tu veux, tu ne reprends pas. On vous a dit quoi? Et une personne qui va prendre ce problème là, Facebook, toi et moi. Dois bien où? Toi et moi, c'est moral. Waouh, imbécile. Vous aimez trop vos choses là. Arrêtez, maman. Imbécile. On va voir ça. Je ne fais pas le paix au Cameroun. Hein? Les gens comme moi, vous croyez que je n'ai aussi, je n'ai personne. C'est là que vous allez voir l'autre jour là que j'ai su quelqu'un. Vous aimez entendre. Quelqu'un sort avec le président du tribunal du Cameroun. Il faut faire attention. Quand tu as deux enfants, sa maman est boulot. Sa maman, ça, écoute l'histoire, sa maman est tout mou et son papa est boulot de Bolova. Ok. Ah bon? Dès qu'elle vous a menti sur son CD au Cameroun, quand tu n'es pas camerounaise. C'est des histoires. Hein? Les intoumes sont les qui? Attendez, vous expliquer quelque chose. Ce sont les gens qui sont au Cameroun, oui. Mais oui. Ils sont de la côte de la Guinée équatoriale, c'est à côté, oui. C'est à côté. Hein? Sa maman, c'est une Guinée équatoriale. C'est elle, sa maman qui est venue épouser un boulot. Et qui a traîné. Et elle a entraîné Cathy au Cameroun. Cathy. Hein? Son père, c'est un Guinéen. Hein? Comme on n'avait pas de père, on l'a reconnu aussi. Comme aussi, on m'a reconnu. Oui, vous avez porté le nom de Mendoa. Vous comprenez? Les Mendoa sont des boulots. Vous parlez de quoi? Ça n'exclut rien. Ça n'exclut rien. Pas parce qu'elle n'est pas camerounaise, qu'elle est camerounaise, bien sûr. Si un Camerounais l'a reconnu, elle va dire qu'elle est camerounaise. C'est tout. Et comme la femme l'a dit avec les magouilles. C'est une escroc. C'est une escroc. Elle manque comme elle respire. Je vous dis. Elle manque comme elle respire. Donc vous qui faites les tontines avec elle là. Faites attention à Cathy. Cathy, elle dit qu'elle. Hein? Moi, encore, mon neveu est malheureuse. Je suis vivante de tous les noms. Elle n'a rien à foutre. Mais, Cathy. Cathy! Maman, dis à tes petits bordels là qui sont dans ta fille, ça chante ton tune là. Mon numéro fait 06 53 93 18 80. C'est mon WhatsApp. Venez à WhatsApp. Si tu n'avais pas, hein,
Si tu n'avais pas, Kadji est venu. On m'envoie 150 euros. Hein? La carte PCS, c'est encore ici dans mon téléphone. Je n'ai même pas encore chargé. Mais je vais charger ça tout à l'heure. Là. C'est toi, beau, qui prends ça, qui peut envoyer aux gens. Hein? Voilà, même. Donc, on a payé 150 euros à la veuve pour clasher. Et de ça qu'il s'agit. On dit que parfois, il faut arrêter vos bouches. Hein? Moi, je dis avec 150 euros. Je ne suis rien. C'est des histoires. Quand vous manquez de respect aux benguistes. Oui. Moi, je suis une benguiste. Hein? Mais je suis pauvre. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me manque de respect. Maman. Qui? Par rapport à quoi? À qui? Tu es d'abord placé par où? Madame Dynastie de Tigre. Hey. Que mes ennemis se rallient avec toi. Que tout ce que j'ai insulté à Facebook se rallient avec toi. Pour me faire assaut final. Je suis habitué aux assauts finales. Mieux horrible. Je l'ai dit. Je suis habitué aux assauts finales. C'est ça, je veux que tu m'en les voitures climatisées au pays. Moi, je conduisais les grosses voitures climatisées à souhait. Tu comprends? Moi, je dis, on me garde. Moi, tu dis que quand j'ai été, j'ai toujours été, je suis toujours. Comment? Donc, vous baisez avec vos hommes au pays parce que vous voulez être vous comme votre protection. Hein. C'est la protection, hein, ma. Je sors avec les présidents du tribunal. Je sors avec les hommes. Allez, couchez-moi avec les chiens, je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. Je reste égal à moi-même. Une personne qui peut me saluer, me salue. Une personne qui me dit bonjour, me dit bonjour. Tu peux me dire bonjour, tu passes, je passe. Rien à foutre. Moi, je suis type sans fou. Moi, ce n'est pas la pression. Je ne suis pas ami avec les gens à Facebook pour faire quoi que ce soit. Vous ne me connaissez pas très bien. Il y a souvent des gens m'envoient l'argent. L'argent peut faire 3 semaines ici, je ne prends pas. Parce que je ne suis pas une personne. C'est quand j'ai besoin que j'allais prendre. Je ne suis pas comme vous faites là. C'est même quoi? N'importe qui, imagine. Allez. Même les souris. Même les souris qui apprennent à se laver. Les essais plus la merde. Qui ne savent pas utiliser le déodorant. Qui mettent les patins sans m'aller qu'on me parle. Les mêmes dit, les antiquités pareilles. Les vieux bordels. Je ne peux pas me laisser faire. Tous les jours dans ta sale bouche de merde. Ta puanteur de camembert de bouche de merde là. Benguis, les benguis sont les tout. Nous sommes les gens. Nous, on a quand même risqué la vie dans l'avion. Et on a nagé pour venir. Toi, nage un peu, non. Retourne à Malabo. Ou à Bata. On voit. Tu es venu au Cameroun par bateau. On se dit, comme ça. Pareil. Tu vas te marier quand? Et vous-même, d'abord, les petits gars avec qui aiment au pays.
Les traverses de ça, les lits de ça. Ça, hein? Tu peux m'insulter mangiante, moi? Quand tu me vois, je laisse ma vie mangiante. Une crevade, même d'abord. J'ai mon dagobert, j'ai ma nourriture. On t'a dit que quoi? Tu vas mourir avec les immeubles que tu construis là. D'abord, que les meubles, même. Depuis que tu construis ton duplex là. Et puis les petits sont le bordel des bas-fonds, des sous-quartiers. Hein? Que même si elle me voit comme ça en face à Yaoundé, elle ne peut rien me faire. C'est des histoires. C'est bien qui ça. On va se laisser faire parce que. Hein? On va se laisser faire par rapport à quoi? Parce que quoi? Hein? Je ne suis pas dans vos choses là. Comme je vous ai dit, je suis comme je suis. Apprendre ou à laisser. Je dis, toi et moi, c'est la guerre de 100 ans. Quand je serai à Roissy, peut-être que Dieu m'attend à Yaoundé. On vous aime entendre. On est ça. Un torchon. Une mauviette comme toi. C'est tout le monde qui promet seulement quand on va fermer. Maman, vous avez les mots, hein. Vous dites souvent des choses au monde dans les réseaux sociaux comme les mots que tu ne peux pas expliquer. Tu peux m'enfermer, toi? T'as dit FMI. Ou tu peux m'enfermer, toi, comme vous? Toi? Peut-être que, je ne sais pas, hein. C'est peut-être que les petits tontines, comme tu es présent les tontines là, peut-être que ça qui te tombe. Maman, il y a une manière. Et là, nous aussi, là, ça nous dit ça. Je ne vois pas ça. Hey! Hey! Hmm? Moi, derrière, je t'attends. Je t'attends. On va te faire ça. Mouf! Tu veux t'apprendre que j'ai eu d'abord des millions avant toi. Tu attends, non? J'ai tout eu avant toi. J'ai une fille de 26 ans cette année. Tu m'entends? Je suis grand-mère. Tu entends? Je n'ai pas coupé mon âge à Kouba comme toi. J'ai coupé âge. Ça se voit, tu dans les réseaux sociaux. Nous tous, on voit nos directs dans les réseaux sociaux, on nous voit. Hein. On nous voit. C'est votre grande soeur dans les réseaux sociaux. Hey. Maintenant, Biwabi, bon. Chaque temps. Il n'y a pas de pardon. Ne m'appelle plus jamais. Parce que c'est toujours toi qui viens, toujours quand il y a un problème. C'est toujours toi. Plus jamais, on n'entend pas de toi. Attends-moi, Yaoundé. On va aller à la Cour internationale, quoi. On va voir ça. Dès que ton banquier va te quitter le jour. Ton banquier va te quitter le même jour là. Et là. N'allez pas payer ce produit, hein. Ça ne travaille pas, ce produit ne travaille pas. J'ai dit, oh. Allez payer, c'est l'escroquerie. L'escroquerie aggravée. Si. Les gens m'appellent hier, toi que non. Laisse Cathy. Les petites pourritures, gens qui sont avec toi. Les petites filles qui te sucent, que vous sucez les seins là, vous sucez les seins là partout, les fesses là partout, tu. Maman, elle ose venir me parler pour m'insulter. Toi alors, hein, tu vas me regarder à distance. On t'a dit, je suis vos qualités là. Je ne suis pas votre qualité. Regarde-moi les sales gens comme ça. Je suis venu de la prostitution pour tontiner. Pardon, je n'ai pas envie de parler. C'est lundi de la joie. J'ai à tout bavarder, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie d'avoir de AVC pour Cathy FMI. FMI de quoi? Les noms de ça. Tu connais l'FMI? C'est là-bas qu'il y a tout l'argent, mais toi tu n'as rien. Tu vis des escroqueries et des magouilles. Oh, yeah. C'est moi qui te dis ça que oh. Si tu veux, si tu es une femme, réponds-moi. Même si tu ne me réponds pas, moi je vais te répondre. Tous les jours. On va voir ça. Comment j'ai fait l'erreur de ma vie de venir chez toi. De venir camper chez toi avec mon frère. C'était de bonne foi. Ce n'était pas de bonne foi, maman. J'avais mon argent.
J'arrive dans une maison délabrée, sale. C'est mon petit frère qui allait puiser l'eau tous les matins. Tu chies dans les toilettes, les caca gonfles. C'est mon petit frère qui allait. Oh, j'ai passé combien de temps chez toi? Tu venais de mon passeport chez toi. Et c'est toi qui étais tout le temps au Cameroun, en train de procès sur procès, procès sur procès. Hein? On n'était pas là-bas, là où. À la, comment on appelle ça? On n'était pas à Interpol. Hein? Maman, les dossiers de ça. Hein? N'est-ce pas, tu as pris un truc là-bas? On a tué un truc. Le loyer, tu ne payes pas dans les baffles. Dans le combat. Tu ne payes pas. Hello. Ouais. Hey, Harry. Hey, Nels. Je suis la cuisine là. Je suis en train de nettoyer les trucs. Ça va, ma? Tu étais où hier? Mais je t'ai cherché, hein? Et tu es où? Mais, Non. J'ai été... Non. Et Navangoy. Et Navangoy. La petite fille. Ça va? Tu as vu tout ce que j'ai lavé, la regarde. Et j'ai nettoyé tout ça. Après, c'est tout ça là, tout. Ah ouais. Ah ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, je vais laver les verres. Ti. Ça va? Et Namangoy? Et Namangoy? Tu vas me venger ici devant ma petite fille. Oua. Tout à l'heure, je t'appelle Alice. Ok, maman. Ok, bisous, je vais que je termine d'abord ce que j'ai fait sinon. D'accord, bisous. Bisous, ouais. On a des gens qui me font ici dehors. Hein. Vous me faites vivre aux éclats. Ha ha ha. On vous a dit quoi? On vous a dit quoi? Tu vas te délire. Comme tu me promets toujours. Mon Cameroun, quand je voyage à l'EFA, je t'attends ici à Yaoundé. Je t'attends à Yaoundé. Je t'attends à Yaoundé. Je vais t'arrêter. Tu ne vas pas voyager. Hein? Moi, je ne vais pas voyager. Ah ouais. Mais vous avez déjà un petit pouvoir. Hein? Peut-être c'est les réseaux sociaux. Hein? Quoi? J'ai fini de faire ce que je veux faire. Je rentre chez moi en France où je vis. Tout ce que tu m'attends. Tu vas m'arrêter. Maman. Est-ce que tu allais me sortir les billets d'avion là, l'hôtel et tout. Imbécile. Les petits mots. Faut m'arrêter. Oui, comme ça, les petits sous que j'ai fait sur Nganda. Hein? Les petits sous que j'ai continué sur Nganda. Tu vas prendre ça. On va te payer. Je suis sûr que tu es en train de. Elle est là-bas comme ça là. Elle est en train de dire que, mais comment elle voit que la pauvre joyeuse vend les petits Misunga là? C'est ce que la voiture est économisée. Sauf que tu vas récupérer à l'aéroport. Toi, Yam, fais tes tontis d'escroquerie avec tes femmes qui t'escroquent là. Que vous avez formé un truc d'escroquerie à ça, là. Fais ça là-bas seul. Oublie-moi. Tu m'entends, non? Imbécile. J'ai dit que une personne qui veut ne me parle plus jamais. Je m'en fous. Qui? Les petits sapates, les petits bordels, vous organisez les escroqueries aggravées. Quoi? J'ai fait une vidéo. Oui, j'étais fâché. Parce que tu as fait un truc qui devait rester entre nous. Tout le monde était déjà au courant. Jusqu'à ce que tu m'enregistres même. Donc je ne dois pas être fâché. Ce n'est pas toi qui m'enregistres. Je ne dois pas être fâché.
Non, comment? N'importe quoi. Parce que quand tu es féministe, c'est elle seule. C'est que l'histoire de la fille, avec les fesses dehors là, elle est encore chauffée. Ça ne va plus chauffer, c'est fini. Il a fait ça gratuitement et de bon cœur. C'est toi qui as demandé que la petite me donne les dagobert. Mais la partie que tu as dit que quand elle me donne l'argent, tu as coupé ça. Tu as seulement mis qu'elle disait que ouais, dépêchez-vous, envoyez-moi ça vite. Est-ce que tu peux mettre que je suis mendiante? Pour montrer quoi? Va me porter plainte, maman. J'ai vendu. Hein? Maman doit. Maman doit, Catherine. Tchè. Maman. C'est toi qui viens avec l'histoire de l'argent sur la toile. Tu te. On ne peut y aller. Oh, Yannia. On ne peut y aller. On ne peut y aller. On va voir bonjour, maman. Oh, Yannon. On ne peut y aller. On ne peut y aller. Oh, Yannon. On va que bon John à ma. On a un peu John, je ne comprends pas. Hey! Parce que ce n'est pas possible ça. Tu veux vous délivrer les injures de ça. Tout ce que j'ai subi, je dois me laisser faire. C'est pour moi qui venez avec une histoire. Il y a déjà plein de vidéos ici. Je suis une femme qu'on envoie les vidéos. J'ai plein de vidéos, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de trucs. Hein? C'est vous-même qui venez avec une histoire. C'est vous qui venez avec une histoire. On est d'accord? Hein? Je connaissais votre histoire. Les gens m'envoient les vidéos, je parle aussi. Tu peux pas te taire, même si tu connaissais la vidéo. Hein? C'est toi-même qui viens me dire que Angéline, comment on appelle ça? C'est Désiré ou c'est qui ça? Celle-là. Que elle dit que si je la clash, elle va aller chez Fleur de Lille et Compressor. Elle va demander à Compressor de prendre, de clasher la fille et sa tante. Hein? Et tu me dis que je dis que non, si c'est comme ça là. Il faut me donner quelque chose. Quelque don. C'est toi-même qui propose, hein. Je dis que ouais, moi, j'en. Hein? Hey, non, tu es tellement hypocrite. Non, ma soeur, elle me dit, ma soeur, maman, c'est grave. Enfin, l'autre femme l'a dit que, comme c'est comme ça, là, elle va alors envoyer elle va payer Fleur de Lille et payer Fleur et Bossa. Comme ça, on va clasher la tante de la fille. Parce que la fille veut mourir dans les réseaux sociaux à cause de sa tante. Parce que toi-même, et c'est sa tante qui a créé cette tortine. Et toi-même, tu as fait le guet-apens. Tu es devenue présidente. Avec ton acolyte qui vit ici là. On commence à insulter sa tante. On insulte comme elle insulte la tortine. Elle aussi vient prendre le truc de la tortine. Vous l'insultez. Tellement qu'elle est à bout. Elle a filmé son tête elle-même. Pour dire que moi aussi, je suis une belle femme. Je ne suis pas sale femme. La vidéo n'est pas restée 5 minutes. Vous avez pris la vidéo. Vous avez commencé à partager. J'ai ça, c'est comment pour que ça arrive chez la veuve. Qui m'a envoyé ça? Hein? Quand vous aimez alors lécher, vous aimez voir les fesses des femmes. Et vous allez montrer moi aussi, je suis une belle femme. La guerre de 100 ans. 100 ans, je te dis. Un gémé à Woko. Les petits sur les sous-quartiers. S'il ne fallait pas que ça arrive dans les réseaux sociaux, il y a un problème. Moi, j'ai mis. Et quand je connais la fille là-haut. Je ne vous connais pas. C'est quoi ça?
Hein? Tu viens raconter des histoires, machin, après ceci. Voilà l'argent là, hein. Comme ici, que tu crois que j'ai même eu d'attendre. Le temps n'avait pas l'argent. J'étais trop occupée, ma. J'étais trop occupée, tu m'entends, non? Trop occupée même. L'argent là encore là. Comme il sait qu'aujourd'hui je me repose. Demain je me repose ici parce que moi j'ai aussi mes problèmes que je parle de tout ici à Paris. Donc, je me repose bien chez moi aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vais aller manger à Paris. Je vais t'amener tout à l'heure, je serai sur les Champs-Élysées. Parce que tu veux tellement voir Paris. Ça vous a dit que c'est tous les gens qui viennent au pays, qui viennent en France, qui partent sur les Champs-Élysées. Ou bien je peux aller manger mon méridien. On prend pas vous en main. Il y a des gens qui me font rien. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Yeah. C'est tout le monde. Même toi. A Yagawa aéroport. Tu connais là où l'aéroport se situe? Tu es une personne qui parle à l'aéroport seulement pour accompagner les autres. Et tu rêves. Tu rêves de moi quand je suis dans l'avion, quand il parle comme ça. Tu me regardes comme ça. Antien, vous voir qui a. Tu vas continuer à rêver. Vous voulez chercher votre malchance chez moi. Quand il va taper maintenant, tu vas voir. Je vais envoyer 5 Michel à Kange pour toi. Continue. Les rêveuses du pays. On a dit que c'est tout le monde qui peut monter dans l'avion. Dieu a écrit que c'est un genre comme toi, comme ça, tu vas monter dans l'avion. Parce que Dieu a vu ton cœur. Le bon Dieu a vu ton cœur, Cathy. Dans l'avion, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un, hein. Moi, je t'ai connu, hein. Hein? Est-ce que j'ai demandé que tu viens me défendre? Hey, Cathy! Ha! Tous les problèmes que j'ai eu sur la toile avec Marthe Chopin ici, c'était toujours lié à toi, lié à toi. Toujours. Et c'est moi qui te défendais. Tu avais qui pour te défendre? Maman, nous tous, on a besoin de gens pour nous défendre. Mais comme tu es hypocrite et tu n'es pas reconnaissante, hein? C'est bien. Je sais pas, tu avais payé. Quand, écoute l'histoire. Hein. Moi, je suis sa sœur. Hein. Hein? Je suis sa sœur. Ah, maman, elle paye que quand 500 euros. Le lot 300. Non, vous me dites. Moi, je m'arrête pour toi, je m'arrête à 150 euros, non? J'ai dit non. On a fait ça gratuitement. On a parlé de tes produits deux fois seulement. Avec tout l'argent que tu as payé. Soit disant que tu as payé. Et c'est grâce à moi. Hein? Que tu as arnaqué les gens dans les réseaux sociaux. Je suis comme je suis. J'ai mon mauvais comportement, mais moi j'aime les gens. Et malheureusement, moi je le sens du maquereau. Tous les oiseaux peuvent chanter en bourse, mais dès que les bouts viennent chanter, oh, oh, tout le monde a peur. Les bouts a chanté la sorcellerie. En tout cas. Samba, y'a ne mouta se manier, t'as dit, oh, oh yeah. Zambé Yano. Ce n'est pas possible. Amène-toi. Poigné à quoi vous êtes? Moi, je suis mort à vous, à vous. Moi, je m'en fous. Tu ne cherches pas, il ne te cherche pas. Quand tu es parti faire la vidéo, maman, jusqu'à elle parle. Tu peux parler de qui? Tu peux dire quoi? Amen. Tu peux dire quoi de moi? Vous êtes ici, les gens vous regardent. Maintenant, attends ceci. Tu organises une tontine pour expliquer les gens. Non, ça fait 2 ans. Ça fait machin que j'ai fait la tontine avec Cathy. Écoute alors les bêtises. Quand j'ai fait la tontine avec Cathy, j'ai toujours mon argent. Mais. Tu as toujours la. Ça fait 2 ans, oui. Quand tu veux la
Ça, c'est bon. Mais la tontine là, c'est ce des temps que j'ai. Ça fait même combien de temps? Parce que les gens font comme si. Facebook, c'est ma personne, non? Pourquoi? Quand la tontine a commencé, Cathy, tu m'as parlé dedans. Demande pourquoi? Parce que tu savais que j'allais gâter tout. Et je vais toujours gâter. Donc j'ai dit que vous qui partez là, chez la tontine à fil, elle va vous escroquer. Je serai une escroque. Milliards au Cameroun dans les escroqueries, oh, des milliards de ça. Et bimambou. Bon, c'est comme si j'ai terminé. Hein? Je n'ai pas terminé. Que je lave celui-ci. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans l'eau. Je vais mettre devant l'eau. Dans le sous, ça dedans un peu. Ne passez pas les commandes en Ganda. Les voices, il y a tous les voices. Maman, la fête de voice ici. Maman, dites-moi alors les choses. Les bêtises, les voix, les voix, les voix. Alors, il faut le mettre. Zamba, y'a ne moutasse, mané, y'a sage, oko, y'a. On en voit dedans. Mon don, il y a 100 millions. Oh, avec nous, ce n'est pas facile. Il y a Damien, il y a Morgan. Mais si je demande d'abord 100 euros, j'ai demandé 100 euros. Je dis, je suis pressé. Mais c'est d'abord 100 euros, on me donne pour boire mon dagobé, c'est tout. Et pourquoi pas? Morgan, je peux pas avoir honte. Tout travail mérite un salaire. Tu entends? Salope, qui t'y sien? Oui, madame. Ok, merci, ma. Oui, DJ. Ok, non, mais ça quoi, du moins. Ok, à quel. D'accord, pas de souci. Ok. Je suis star, on doit me payer. Je vous laisse là parce que j'ai pitié de vous. Et que Kati FMI va vous voler. C'est une voleuse. Je n'ai pas besoin, vous êtes des mouches, des mauvaises gueules.
On ne va pas me payer. Je dois demander mon, au moins mon Dagobert, non? Je n'ai pas le droit. Je demande même ça ou même 1 euro. Mais dans la réalité, la fille peut témoigner. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. C'est Kati FM même qui propose. Maintenant, elle me propose, je ne sais pas pourquoi. Elle dit Kati FM, elle va rester mourir au Cameroun. Vous êtes ses adeptes. Ses adeptes. Elle vous parle des rêves qu'elle n'a pas, c'est une voleuse. J'attends. I am the star. Je suis star. Vous allez dire quoi de mauvais? Je suis star. Je vais finir avec elle tous les jours, tout Dieu a payé. C'est tout. Mais oui, je suis malheureuse. Mais quand ça se voit, regarde-moi, ma chérie. Je reste malheureuse là. Je viens de faire mon ménage dans ma cuisine. Je ne suis pas malheureuse. Mais l'argent, c'est l'argent, non? Quand on fait les tontines, c'est pour faire quoi? Maman, tout à l'heure, je vous amène, je vous amène sur les Champs-Élysées. Hein? On va aller manger, je vais vous présenter les Champs-Élysées parce que la plupart d'entre vous, vous rêvez. Vous rêvez, moi je réalise. Non, il faut bien les opposants ici. Il faut laisser, il faut les opposants. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, je m'en fous de vous. Kati FMI ne sera jamais comme moi. C'est une escroc. Elle va vous escroquer. Vous êtes des petits pions qu'elle touche comme ça parce que vous n'avez pas encore touché la tontine. Vous n'avez pas encore touché la tontine, c'est pour ça que vous venez parler ici. Je vous laisse là parce que j'ai pitié de vous. Motherfuck you. Je dis que je peux vous bloquer là, vous toute la main. Je n'ai pas envie de vous bloquer. Je veux que vous me regardez tout à l'heure. Je vais aller sur les champs. Champs-Élysées. Le problème, c'est que malheureusement à Paris, là, il ne fait pas beau. Mais même si ce n'est pas beau, je vais aller manger quelque part. Parce que moi, je suis une cuisinière au pair. Mais je n'ai pas trop. Je n'ai pas trop mangé ma nourriture. Parce que j'ai tout le temps les nourritures et tout. Yen me va. Donc elle aussi, Kati FM, tu as déjà. Elle met des super décapants. Donc tu as déjà aussi des adeptes. Hey! Yeah! Yeah! Maman, les petites filles là qui n'ont pas encore touché la tontine, c'est elle qui vient maintenant de défendre. Vous allez vous. Elle dit que l'histoire de tontine qui va sortir ici. Attendez. Quand je dis que n'est-ce pas, je vous ai dit. N'est-ce pas, je vous ai dit. Regarde-moi les petites crevades, les petites avieuses. Vous pouvez me faire quoi? Mais bon Dieu. On a fait le ménage pour mes clients. Le ménage pour les clients. Quand ils vont manger le soya et tout ceci. Que ça sent bon. Du super décapant. Et de ça qu'il s'agit. Hein? Insultez-moi. Hein? C'est votre problème là-bas. La grand-mère de Namangoy. Tu vois la gagne de Namangoy. Attendez mon pays. On va voir ça. Les adeptes du Mali. D'avoir dansé un peu. Et vous laisse là parce que j'ai pitié de vous. Dans ce genre d'histoire, maintenant on fait d'abord un peu la joie. Dans ce genre d'histoire, c'est comme ça. Qui n'a pas payé qui ici? N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas Michel Soiré? Michel Soba même avait payé. Comment on appelle? Michel Soba avait payé même qui? Ngossa. Pour qu'il achète Fleur. Vous ne croyez pas ça? Moi qui m'a payé rien. Tu veux te faire voir, je veux te montrer qui je suis. On va que je vais te clasher tous les jours jusqu'à que tu vas me porter plainte vrai.
Marie Noël Gina, tu t'adresses à qui là? Quel allô pour insulter les gens? Je ne sais pas de quel camp tu es. Si toi, tu n'as pas encore bouffé, caché, il faut faire attention ici. Hein. Voilà alors l'argent de qui ici? J'ai pris d'abord l'argent. J'ai pris l'argent, je n'ai pas pris. J'ai insulté qui? J'ai insulté qui? Donc, parlez bien pour vous là-bas. Imbécile. Parlez bien pour vous. Vous avez besoin de ça, non? Vous avez besoin de ça. Je vais vous donner ce que vous voulez à Facebook. Vous voulez à Facebook. Une sale chose comme ça là. Vous allez servir tout le monde. Va me baiser ma vie. Biobi mai. Je vais te montrer que je suis une fille d'onde de Samoliba. Moi, je vais un don. Ouais, il manque un don. Tu vas te fatiguer avec moi. Cathy, on attend le mariage. On attend le mariage. Une organisatrice des guet-apens dans les réseaux sociaux. Des guet-apens des tontines. Allez, tu dis tontine, je dis qu'elle va vous escroquer. C'est une escroque, c'est moi qui dis. Tu le dis, oh. Je vais lire vos commentaires après.
je les laisse. Parce que dans mon gouvernement, il faut bien les petites choses là. Que leur puissant haricot pourri. Vous voyez, elles sont là. Vous pouvez me suivre autant que vous voulez. C'est moi. J'ai le droit de vivre sur vous. Ici à Facebook, je peux te bloquer quand je veux. Mais je te laisse te défouler. C'est le week-end. Hein? Parce que ce week-end, vos maris que vous baisez là partout, les maris des gens, que vous baisez là partout. Là. Vous l'entendez, non? Ils ne vous ont pas regardé ce week-end, d'où la frustration. Je t'ai dit, Cathy, elle ne fait venir rien devant moi, comme vous là. Maintenant, je vous laisse là parce que j'ai pitié de vous. Je veux qu'on voit la haine que les gens ont dans les réseaux sociaux. Vous la défendre, pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore bouffé vos tontines. Et vous avez peur que je knock la tontine. Et je veux knock la tontine là. C'est moi qui vous dis. La fille là va vous arnaquer, c'est une arnaqueuse. Insultez-moi, hein. Vous m'insultez autant que vous voulez. Vous voulez que je prononce vos noms ici? Je n'ai pas besoin de prononcer vos noms. Le mari détruit et sucré. Il s'appelle comment? C'est Jean Polo. On anime le gouvernement de la joie. On commence très tôt. Bande je ne sais même pas comment je peux vous appeler. Serge Polo. Vous ne connaissez pas bien. Moi, je cherche les partenaires du crime. Cathy FMI, c'est mon partenaire du crime. Et on va faire ceci à Facebook. Avec qui? Mouf! Mandoua, Catherine Nonaza. Tu vas dire que tu es quelqu'un, toi, parce que tu fais une petite tontine, les gens viennent tontiner les petits 400 ou c'est 500 euros qu'on tontine là-bas, ou c'est quoi les gens tontinent. Parce que tu veux faire la concurrence avec Martin Chopin. Ah ouais, avec Zoa. Tu veux la concurrence à Zoa. Allez, mais pour moi, c'est que elle va vous arnaquer, c'est moi qui vous dis. Ah. Le mari de tu. Le mari détruit les cyprès. Dicalo, la quanina. La baisse à ma tour. A bien le temps de bébé, c'est pas n'y a pas de l'imba de calo. Bébé, ça y a un peu ma copie dita. Le colam opéré et bongo mongo. C'est Nika. Ah,
Avec toi, on dit que on a fait l'amour. La jalousie va tuer les gens ici. Hein? Dès que vous, oui, on a fait. Ça vous dérange à quoi? Hein? C'est juste pour la chanter, non? Les gens qui défendent les gens, je vais toujours défendre. Et moi, je vais vous dire, je sais que la plupart d'entre vous qui êtes là, vous me détestez, je sais. Mais pour nous, c'est que je vous emmerde. Je ne suis pas une hypocrite. Je veux continuer. Je vais toujours continuer à défendre les gens dans les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est mon rôle. Moi, attendez, je suis comme je suis. Je ne vais pas changer pour vos beaux yeux. Je ne vais pas changer pour vous. Vous avez la dictature. Les gens qui font la dictature, ce sont les gens qui donnent l'argent. Moi, c'est électron libre. Tout le monde est Warriors. Donc, quand on me dit, est-ce que tu n'es pas Warriors? Moi, on me donne quoi? On me paye? On me paye quoi? On me donne quoi? C'est, et puis, je ne veux pas parler parce que je veux. Je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Et une personne qui me tient une tête, on va arriver jusqu'à. Elle dit que Tati FMI et moi, allez lui dire ça avec moi, c'est la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans. Il y a la haine là-dedans. Je te rais. Tu attends, donc, Tati, regarde-moi très bien. Là. Femme, quand la tranche va te frapper. Oh, tu attends, donc. Femme, quand la tranche va te frapper. Tu pries, non? Je prie, non? On va voir. Et que c'est Nicolas Kamush. Peu importe quand. Renseigne-toi très bien. Quand vous faites vos choses ici à Facebook. C'est la bouche qui te tue, c'est la bouche qui te sauve. C'est ta bouche qui t'a tué. C'est toi qui viens demander. Que tu demandes 150. C'est toi qui dis que c'est 150 euros. Hein. Moi, tu dis que mais c'est normal. Je dois avoir mon Dagobert. Vrai ou faux. Après, la fille m'envoie la carte PCS. Et c'est toi-même qui peux encore dire à tout le monde entier. Comment payer 150 euros pour clasher? J'ai dit que même si là, ça aurait ma voix. Mais malheureusement, la fille n'avait pas l'argent. C'est sa tante qui m'envoie les 4 PCS. Et je parlais avec sa tante, la tante me dit qu'elle ne vit pas à Paris, qu'elle vit en Suisse. Et quand elle m'envoie la 4 PCS, je me suis dit que la fille, c'est qu'elle vit en Suisse. Donc, ici, tout ce que tu voulais, Cathy FMI, quand tu es méchante, c'est que la vie, la tante de cette fille, soit dans les réseaux sociaux. Parce que c'est ce que tu voulais. Vu comme les fesses. De sa petite nièce sont sortis. Tu veux faire une autorité pour vendre tes bêtises là? Jamais. Oh bon, tu veux faire tu veux faire ça avec moi? Rance, mon akati. Mon abi wa palata. Tu entends non? Fais ça. Et je vous préviens, les gens qui font la tontine chez Kachi et FMI, allez récupérer votre argent. Allez récupérer. Tu entends non? Parce que ça va. Non. C'est moi qui te dis. Imbécile, sale femme. Il y a une manière. Faut d'abord nettoyer tes essais, hein. Ça pue la merde. Je te dis d'abord, les petits femmes gens là qui viennent m'insulter ici, c'est pour que j'ai pitié de vous. J'ai le droit de vie ou de mort. Sur vos comptes ici. Je te bloque pas et tu pars. Ta bouche va te tuer. J'étais défendu. Je suis où aujourd'hui? Elle n'était pas obligée de me défendre à cause de soi. Elle parle. Elle me bien nous. Hein, vous savez que. À qui? Rassez-toi très bien, hein. Vous parlez vos choses là. Le grand patron, ah ouais. Le mari de tout y est si payé. Ou maman tu y a quelqu'un n'est pas mon taille, mais c'est le mari de tout y est.
Patricia, quand tu dis que tu ne comprends pas pourquoi tu veux être ami avec une personne qui vit au pays et vous vous clashez. Donc les gens qui vivent au pays ne sont pas des gens. Donc c'est parce que quelqu'un vit au pays, parce que tu vis en Europe, que tu ne peux pas clasher la personne. Peut-être que vous avez atteint un niveau de vie que je ne comprends pas. Hein. Même si tu vis en Inde, même si tu vis n'importe où, tu as un problème avec moi, je te clash. Ah, ce n'est pas que question de supériorité ou d'infériorité. Non. Qui? Même si tu viens à un lobby, je viens à Bonaparte, ils vont te clasher. Donc, tu vas laisser les gens qui vivent au Cameroun t'insulter, te menacer parce que toi tu vis en Europe. Non, non, non. Ceux qui vivent là-bas ne respirent pas comme nous. Ce sont aussi des gens, ce sont des personnes. Ils savent ce qu'ils font. Oui. Qui la connaissait? Vous croyez qu'une comme moi, je vais aller faire quoi avec Achille Efemi? C'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui organise les choses. Hein? Quoi? Non, c'est pas... non, c'est une crédibilité pour eux. Non, hein? Maman, même si tu vis au pôle Nord, là où il y a des gens qui sont, même si tu vis au cimetière, là où il y a des gens qui sont d'ailleurs, tu entends finir avec toi. Je ne suis pas dedans. Donc, vous ne considérez pas ce qu'ils vivent au Cameroun. Moi, je les considère, hein? Ce sont des dangers publics, hein. Moi, je peux... je clash tout le monde, je m'en fous. T'as rien, il n'y a pas beaucoup d'aller. Deux moulatoires, un villageois va venir te parler, parce que tu vas aller répondre parce que c'est un villageois. Non. Même si c'est qui, je te réponds. Tout le monde finit. Hé, hey, maman. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Elle dit qu'elle est riche, n'est-ce pas? Elle a ses petits sales, petites pétasses là qui la soutiennent. Et tout le monde, tout, même vous savez, même la, même le diable a toujours un avocat. Même les tueurs, même les pédophiles, qui on a vu ici avec les petits enfants, ils ont tué un avocat. C'est normal. On va faire comme maman. Il faut bien, non? Qui? Tout le monde a vu un avocat. Tout le monde sait que c'est une escroc. Une escroc. Alors comme ça. Mais ça, Jania. Et te montrer comment toi tu es devenue puissante, tu marches avec les riches. Je vais te montrer que hein, votre pauvre veuve, qui, tu penses que toi là, tu me menaces que j'arrive au pays, tu me mets en prison. Moufkati, imagine, hein, il faut bien que t'assoies, hein. Assois-toi bien. Imbécile. C'est l'avion que tu veux. Les mbeguis même qui te suivent même là. Et les injures, les mbeguis sont les qui? Les pauvres mbeguis. Mais elle est toujours avec vous. C'est elle, les mbeguis qui fait tes tontines. Tu crées le faux. Les tontines dans les tontines. Chaque temps, tontine de 10 000, 20 000. Et quand elle veut l'argent, elle est prête à tout.
Même si c'est plus quoi, j'ai dit, oh. Allez, vous venez la défendre ici parce qu'elle n'a pas encore, vous n'avez pas encore bouffé la tontine. C'est ça qu'il s'agit. Moi, une comme moi, même si c'est gris, même si c'est le chat, je classe même les chats. Les chiens aboient sur moi, je classe les chiens. C'est de ça qu'il s'agit. On va te laisser faire par les petits mécréants comme ça. Non, je ne me laisserai pas faire. Maintenant, bien voir. C'est une. Oui. Bien voir. Guerre de 100 ans. Quand tu es fait une femme forte, non? Oui, mais parce que tu n'as pas encore bouffé ton argent. Oui, vous aimez la, la lumière. Oui. C'est moi qui vous dis. Elle est une femme forte avec quoi? Une escroc? Une malhonnête femme? Catherine, mon doigt. Tu es une malhonnête femme. Une escroc. Elle a escroqué mon frère jumeau depuis des années. Elle a remboursé ça. Elle m'avait promis une fois ici. Hein, pour rien comme ça. Hein? Parce que pour rien. Elle m'appelle, elle me dit. Hein, ma. Hein? J'ai dit, Morgane, tu peux me dire que ça droguée, mais je suis une droguée de la vie. Morgane, Morgane, Debecker, tu veux que je prononce ton nom, je suis une droguée de la vie. J'aime les beaux hommes, j'aime bien boire mon vin, j'aime bien manger. C'est la vie, c'est ça qu'il s'agit. Oui, j'ai une studio, tu penses, ça fait quoi? Et que ça peut même que j'ai une studio, tu penses. Il faut que je dise que mon porte plainte. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir honte. Je te laisse encore là, parce que j'ai pitié de toi. Et je veux seulement qu'elle fasse comme ça. Parce que c'est trop facile quand t'allèves. Parce que si t'allèves, on va dire que tu as raison. Hmm? Quand je vais manger dans les réseaux sociaux, vous ne voyez pas. Je vais venir manger quoi? 150 euros? Elle m'enregistre et moi je suis une personne que je ne parle pas. Vous voyez, moi je préfère parler. Et puis, on t'envoie, moi je ne suis pas une personne qui va écrire. Parce que je n'ai pas le temps d'écrire les jeux de machin et tout et tout. J'ai dormi là-bas. J'ai dormi d'abord dans sa chambre. Pour deux jours. J'ai dormi chez elle. Oua! Il y avait quoi là-bas chez elle? Il n'y avait rien. Son lit, le lit de son petit enfant là était encore mieux. Oui. J'ai dormi chez elle, oui. Elle m'a accueilli. J'ai mangé chez elle. Je suis arrivé chez elle, ce n'était plus comme avant. C'est une escroquerie qu'elle voulait organiser. Elle voulait organiser les escroqueries. Elle m'a créé pour attendre. Et quand vous ne connaissez pas certains gens, hein, faut faire attention. Oui. Vous connaissez, je manque où aller? Non. Parce que avec moi, c'est comme ça. Moi, je fais confiance aux gens. Je fais quoi? Je dis que, hein, que je suis allé dormir chez elle. Elle m'a accueilli avec un poulet. Rien. C'est moi qui ai tout payé. La boisson, tout. C'est moi qui payais tout. Même le taxi, pourquoi elle a là où on l'a arrêté là-bas pour les appareils de son tour là. Ce n'est pas moi. Il ne sent pas que derrière elle parle avec les gens. Tu aurais dormi chez toi, ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Comment tu manques de respect? Hein? Elle est comme elle est. Vous voyez seulement ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je vous dis que faites attention, c'est une escroc. Et je ne veux pas la lâcher. Et le tout si. À la fois, j'avais fait au Cameroun. Le tout si, quand je vais arriver. Peut-être que je suis à l'aéroport. Oui. J'ai ma puce du Cameroun ici. Nestel, j'ai Nestel ici. Je vais mettre ça dans ma puce. J'ai fait des directs. J'ai encore 80 000 dans ma puce là. Je vais la mettre. Comme ça, je vais bien te filmer. Comment tu viens m'arrêter à l'aéroport? Vous avez la gueule, hein? Vous avez la gueule. Tu m'as accueilli dans quelles conditions? Dans quelles conditions, mon chan? Je t'avais appelé. Hein? Mais Nouma, elle pue les essais jusqu'à que maman, tu sais, quand on a sorti de l'Europe et tout ça, tu sais, je ne pourrai jamais changer pour vos petits yeux. Vous qui faites la tontine avec elle là, comprenez? Faites bien la tontine. Elle va vous niquer. Toi, Morgane, Morgane Baker. Oui, mais je vais bouffer quel djangui. Je vais venir bouffer des djangui au Cameroun. On va voir. Vous aimez entendre. Quand tu peux m'approcher, hein? N'importe quoi. Quand vous avez dit qu'au Cameroun, là, quand vous voyez une fille dans une voiture, elle est dans une voiture, elle monte un petit appartement, un peu meublé, vous croyez que c'est quelqu'un? C'est une escroc. Je veux bouffer mon djangui, mon gué. C'est toi qui vas venir dire que ah, là, vous avez raison. Ton argent que tu as tontiné dans son djangui là-bas, tu n'auras jamais ça. Jamais.
Vous rêvez trop. Je perds mon temps à parler avec vous. C'est lundi. Hein? Ndjangi. Maman, vous me faites peur. Dis-lui que pour la bouche qu'elle fait là, comment elle rêve de me mettre en prison au Cameroun, maman? Maman, je pense 6 000 km. Hein, Diana? Que quoi? Je viens là. Pour que. Je dis que c'est n'importe quoi. J'ai n'importe quoi. Comme après la fatigue là et tout et tout et tout. Que j'attends, maman? Pourquoi on arrête les gens comme ça? On t'a mis autour. Qui? Lolo, on a arrêté Lolo. Par contre, d'abord, le quartier est fait de représenter quelle autorité? Elle représente quoi? Une personne qui a arrêté les gens, qui a créé un djangé pour voler les gens, qui fait du mal aux gens. Et c'est... Je dis que moi, je ne parle même pas. Hein? C'est l'argent. Tu sais que c'est bien. Pardon, il est là qu'elle avait. Maintenant, Biwa, comme tu mens, une menteuse. On m'appelle le prisonnier. Ah, j'adore le monde. C'est juste pour que je suis avec toi. C'est mon ami, je suis avec toi. Tu me disais, c'est une soeur pour moi. J'ai arrivé dans quelles conditions? La première fois, j'ai dormi dans ton lit. Les traverses allaient me traverser le dos. Tu ne pouvais même pas faire comme ça. Je dis que tu entends ici, boum. C'est ça que j'ai dit que. Mon amour, je m'en vais dormir. C'est comme ça que je quitte là. Je m'en vais dormir dans la chambre de son fils. Là où mon petit frère dormait. Partout. Là-bas, au moins, les traverses étaient un peu lisses. Vous parlez de qui? Je crois que c'était mon ami. Ce n'était pas mon ami quand elle était chez elle là-bas. Elle parlait avec tout le monde. Quand tu es venu avant de partir, tu n'es pas venu bagarrer avec toi. Tu as parlé de la bagarre. Ne pouvais être trop forte à Facebook. Tu n'as pas dit aux gens. J'étais menacé dans ta propre maison là-bas, à Yaoundé. Vrai ou faux? J'ai crié là-bas, tout le quartier est sorti. Tu as dit ça aux gens. Mais fie-toi, hein. J'ai dit que mon Jean, quand il veut que je vienne au Cameroun, pas vos plaintes, là, il faut me porter plainte verte. Et je veux voir là où on va venir m'arrêter. Mais il y a mis walk. Il y a une manière. Tu auras tous les adeptes. Les gens qui viennent parler mal ici, c'est parce que ce sont des gens. Que Kati FMI n'a pas encore pris et n'a pas encore pris la tontine. Attendez. Mazo bon. Mazo Lerna. Je suis une fille d'une fille boule de sable. Mon engouandon. Tu vas voir. Vous croyez que ça se passe comme ça? On appelle les prisonniers. Je suis prisonnier ambulant. Ouais, j'ai mis le morceau là. Oh. Je suis prisonnière. J'attends qu'on m'amène à Kodengi. Moi, une salité comme ça. Il manque d'étincelles à votre temps libre. Il y a une meilleure solution. Lightning League, l'app de jeux social gratuite pleine de récompenses électrisantes. Des missions quotidiennes excitantes, des récompenses. Vous savez, quelqu'un dit que je ne comprends pas pourquoi je peux vivre en Bénissi et je parle avec les filles du Cameroun. Quoi? Les filles qui sont Cameroun, ils vivent bien même plus que nous ici, hein? Je vais te clasher tous les jours que j'aurai envie. Parce que moi j'aime les dossiers, les nouveaux dossiers. Tu entends, non? Pour la bouche que tu fais là. Tu as des gens qui sont derrière toi. Moi je n'ai personne. Moi j'ai Saint-Michel Archange. Mon Saint-Michel Archange va te frapper, Kati. Hein? Yubozambo. Saint-Michel Archange va te frapper. Je veux vous ouvrir les yeux ici à Facebook. Vous allez dire que je partais où? Vous allez voir. On ne s'attaque pas à une veuve. Salope. Je suis prisonnier. J'ai besoin de la maison de prisonnier. Hein. Parce que moi, on va me déférer direct. Tu vraiment. On m'appelle prisonnier. Le président Sergio Polo. Reste moi. Et Fainaldi chante le prisonnier. Et il n'a l'ombre. Les prisons du Cameroun. Quel calvaire. Je
soumbe maman. Vous êtes payé avec sa carte. J'en vois des tifonnés, la belle, elle ne rédige pas une plainte. Et bien, l'eau maman, vous s'en mondiez, n'a y tout ben nana, ou un bon roué. Au canobo, n'a l'eau, ou final, n'a y même des tocaïs. Si je vous emmerde, je vous emmerde et je vous emmerderai toujours que Dieu a créé. Attendez, non. Toujours. Allez vous rallier. Et si tu es Kati FMI, va te rallier avec qui tu veux.
les petites gens qui sont morts là, que je peux tuer, que j'ai le droit de vie ou de mort sur vous là, les petits gens là, il faut bien que le gouvernement la joie vive. Voilà, je vais vous payer avec ça. Regarde-moi les sales gens comme ça, les sales femmes, dis donc. Ils ont aussi besoin de calories pour se reproduire. Bon, je vais, moi, je vais sortir là, je vais aller à tout vos voix. Non, non, ça commence à y apaiser. Hein? Elles n'ont pas en gestation que si elles ont accumulé suffisamment de graisse. Vous n'avez pas de maquille ici. Ça commence à apaiser. Hein, quand tu es venu, aéroport, va vous porter plainte. Tu entends, non? Une femme que tout le Cameroun porte plainte, une pour escroquerie. Maman, tous les escrocs se portent plainte au Cameroun. Va porter plainte, je t'attends. T'as dit que, hein? Mais maintenant, on est bim. C'est moi qui t'ai dit. Il y a toujours en train de faire les choses. En train de faire ceci. En train de faire cela. Créer les tontures à la con. Le problème commence, tu es incapable toi-même, la présence de ton tu de régler ce problème à distance. Hein? Tu ne peux pas avoir peur de toi, Cathy. J'ai dit que hein, tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. Pas ce qu'on dit là. C'est n'importe quoi. Hein? C'est n'importe quoi, on les a. Tu ne peux même pas. Jamais. Attends, non. Maman. Le tapis. Maman, toi aussi tu es dedans. Entrer dedans même. Les boules, les bêtises, ils sont dans la team de ouhou là. J'en ai rien à foutre de vous. Moi je ne parle pas. Là où elle le faut. Tu aimes Gossa, pourquoi? Parce que Gossa fait des tcha-tcha. Gossa c'est une crevade comme toi-même. C'est tout, tu montres ce que tu n'as pas. Eh oui. Tu montres ce que tu n'as pas. Ah ouais, ça, je vais t'accueillir à l'aéroport. Et l'aéroport de ça. Tu vas accueillir tout le monde à l'aéroport. Et les gens vont aller avec toi au Hilton. Pour te montrer de Hilton, tu vas filmer comme tu filmes souvent. Les gens viennent chez qui? Maman? Madame? Tu ne me peux pas. Tu es allé loin. Et ne sais que la voix joie ne connaît même pas. Il y a 95%. Quand tu veux vendre tes produits, tu ne vas vendre aucun produit à Facebook. Tu veux knock tout. Tu ne vas vendre aucun produit ici à Facebook. Les produits de quoi? Les zèbres là que tu vas ramasser là. C'est une espèce. Tu viens de vendre pour dire que c'est les produits de quoi? Qui? Ne buvez pas ça, vous allez mourir. Quelqu'un qui vend d'abord les zèbres elle-même, elle tombe et va nu en plein Facebook. En plein moment, on la filme. Hein, c'est ça? Vous voulez mourir? N'allez pas, vous allez mourir, je vous manque pas. Et au mien. Moi, je vois cette bêtise-là. Dis-moi. Quand je masse mes pieds. Bah, Morgan Becker, je pense que tu en as assez fait là. Hein? Donc, laisse comme ça, pardon pas. Attends, peut-être que je ne sais pas ce que tu veux dans mon direct. Tu m'as assez insulté, non? Maintenant, tu vas te reposer, non? Va te reposer. Moi je t'aime bien, tu sais, moi je t'aime bien. Des grenouilles massent ses pieds. Parce que ce sont les jambes d'une randonneuse. Les jambes d'une grande randonneuse. Tu comprends? Donc tu m'as assez insulté, non? Va te reposer. À l'époque déjà, nos ancêtres avaient compris que la Terre tournait autour du Soleil. Faut laisser. Toi, y'a tout insulté. Te souhaite une bonne journée. Hein. Bon, Maman, mais viens, non, ne veux pas parler de toi. Je n'ai pas besoin que de parler de toi. Parce que je pense que j'étais assez laissé le temps. Depuis aujourd'hui, tu es entré dans mon mur, je te connais pas. Je t'ai laissé le temps de rester ici. Donc, je t'aime bien, ma chérie. Tu vois, je t'aime bien. Tu comprends, non? Mais, on va se dire adieu, je te bloque. Au revoir, merci. C'était très sympa de rester avec nous. Avec moi, c'est comme ça. Quand elle dit que c'est bon, là, tu continues, je te bloque. Parce que ce que tu dis, c'est des conneries. C'est des conneries. Et quand vous voyez ce genre de personne, hein, c'est une personne qui est vraiment amie avec moi.
Vous comprenez? Dans mon vrai compte, une personne qui like mes photos, qui est amie avec moi, mais qui parle derrière, qui me déteste, parce que c'est Mr. Jack et l'autre là. Ils sont deux personnalités. Un côté il y a le cœur et un côté sombre. Quand elle dit il y a que c'est bon, tu continues, je te bloque. Là, elle va maintenant la boire chez qui maintenant? Mais oui. Donc voilà. Donc, faites vos choses, comme vous voulez, je dis, c'est lundi. On a fait notre ménage et tout. Donc, s'il faisait pour j'allais sortir manger un petit truc, parce que j'ai pas envie de manger ici. Donc, j'ai passé un bon week-end. Donc, il faut faire attention. Dans les TK qui vient là, vous venez crier ici là. Crier, je m'en fous de vous, vous ne pouvez rien. Vous ne dites que vous ne pouvez rien. Le famponnage va être dur. J'attends. Le famponnage va être dur. Là, c'est encore petit. Ce soir, encore 20 heures, pap, je m'assois. On va faire ça. Dis donc. On vous a dit que quoi? Moi, j'ai mon temps, il y a la chambre de temps, you know? Quand tu es femme, tu parles bien anglais, non? Elle parle espagnol. Elle parle anglais. Oui, elle est très. Oui. C'est une bandite. Une bandite. Toujours dans le faux. Elle s'incruste quand on lui présente les gens, C'est le faux, hein? Depuis 14 ans, il revient régulièrement dans le Yukon pour y étudier l'état des glaciers. Je vous. On va passer 3 semaines là-haut avec 3 étudiants. Je vous embrasse, passez une belle journée. J'ai mes choses à faire aussi, je dois. Nous avons commencé par un petit glacier de vallée sur le versant nord du Cascavouche. Nos mesures portaient sur l'écoulement de l'eau dans le lit d'un glacier. Nous essayons d'en comprendre les mécanismes et de développer on ne mange pas ça. Pourront être reliés à un modèle d'évolution des glaciers. Ah, sur les côtés, mais voilà, voilà, bon, c'est sur les côtés ici, non? Ah, maman, ok, des plus. Non, mais ça pénètre, hein, ça va, je n'ai plus mal. Ça pénètre. Merci, j'ai compris. Merci, ma gagne. Oui, oui, mais ça marche, hein. La bande de tcha-tcha. Les tcha-tcha font avec les tcha. Mais dis que, hein, non. La seule femme qui fait le vrai faux, comme les hommes, c'est Katine Femi. Katine Femi vend le faux. Elle vend les rêves aux gens. Tu sais même pas que maman m'a dit que là où elle vit, elle a fait 3 mois sans payer. Non, 6 mois sans payer le loyer. Je suis au courant de tout. Moi, tes fiches de paye. Et j'ai dit, tous les Camerounais qui me détestent là, allez chez Kati et Femi, allez rester là-bas. Je suis boule de sang, mon humain. Elle est boule de bol, il faut comprendre la différence. Donc là, je suis simple. Si c'est entre toi et moi, les boules, on est dedans. Va payer Fleur de Lune, comme tu aimes payer les gens. Va payer les gens pour me clasher. Je vais vous abattre. One by one. Comment tu dis que je t'ai jamais insulté? J'étais insulté propre au Cameroun. Oui, viens alors. Yaoundé, je vais te montrer. Maman, j'ai regardé d'abord là où tu vis. Là où pas Jean. Pas Jean venait souvent là. Tu m'envoies, veuve, pardon. Va lui dire que tu n'es pas là. Pas Jean prend la chaîne et s'assoit. Les travaux de Christiane se concentrent sur une partie. Il m'a dit qu'il y a le même où j'ai habité. Pas Jean. Il s'assoit là-bas, maman. Même l'eau, on avait coupé l'eau. Même l'électricité, il n'y avait pas. Maman, les moustiques allaient me tuer là-bas. Je suis venu parce que j'étais ta personne. C'est toi qui m'amène à Facebook. C'est toi qui me clash à Facebook en premier. Ce n'est pas moi. Qui clash notre Yaoundé? C'est moi. Parce que j'avais fait une vidéo pour dire que. Mais on est. Venez aussi aider Kati et Femi quand vous les mettez tout et tout ça. Maman, où on allait lui dire quoi que la femme, j'aurais dit quoi. Kati et Femi se permet quand même de prendre le téléphone et commence à me clasher. J'étais à Saint-Moulin. Les problèmes commencent. Kati, tu sais, j'ai cru en toi. J'ai cru en toi. Moi, je ne viens jamais les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je tape ma main au sol. Je ne peux pas te devenir une garde d'âme, comme on dit au Cameroun.
Est-ce que tu montes? Je te dis qu'il y a un kati. Yen ma, mon indias. Oui, yen. Oui, yen a kati. Oh, non. Bah, t'es que mon John allait. Pour rien. Moi, c'est quoi, moi, c'est quoi, bonjour? Je veux plus ton côté. Ton côté. Parfois, tu m'appelais. Ça ne va pas. Maman, tu n'as pas payé qui? Pour ta publicité, tu n'as pas fait quoi? Mais aujourd'hui. Oh, je donne où? Donc, c'est les réseaux sociaux, non? C'est toi qui m'as enregistré, non? Tu ne faisais pas le congrès que tu allais faire, à que tu savais que j'allais être au courant de ça. C'est pour ça que je suis avec toi dans les réseaux sociaux. Et je ne peux pas te laisser. Et jamais je me laisserai faire par une énergumène comme toi. Parce que tu ne représentes rien devant mes yeux. Les benguis qui te suivent là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore bouffé leur tontine. Les bengues qui te suivent là, c'est parce que je ne sais même pas pourquoi tu suis. Tu entends, non? Donc, on est bien, 100 ans. Pardon, hein? Moi, j'ai dit que, hein, toi et moi, c'est 100 ans. Tu veux partir au Cameroun, les temps au Cameroun, ils vont te clasher. Je veux dire, je te clash. Parce que quand vous commencez à faire votre force dans les réseaux sociaux là, je suis en fait ceci. Maman, j'ai dit au Cameroun, tu vas mettre une bengue en prison. Ça va prendre feu là-bas, tu ne me connais pas très bien. On va entrer dans ta vie. Je veux faire qu'on entre dans ta vie, dans la vie de ta famille. Qui tu es? Toutes les condamnations qui sont au Cameroun, je veux te mettre. Tout va sortir. Et puis on va savoir qui tu es. On va voir qui aura honte. Toi ou moi. Tu fais comme ça. Je suis une Dewey Wallace. Tu entends? Je me bats dans ma vie, peu importe. Je me bats dans ma vie. Ce n'est pas un petit raté-raté, une petite sale chose qui veut tellement, qui invite tellement les benguistes, qui peut se permettre de me parler. Tu ne connais pas mon vécu, mais moi je connais ton vécu. Moi je n'ai aucune connexion au Cameroun. On ne me connaît pas au Cameroun. Il faut faire attention. Le Cameroun s'est informatisé maintenant. Hein. On va sortir tous tes trucs. Pas pour que tu baises avec les présidents du tribunal, je sais pas quoi. Non, la loi, c'est la loi. J'attends, non. On va faire ça, tu sais bien qui ça. J'ai fait quoi de mal? Ma, hier, nous, on était ici. C'est un moment que, veuve, on a mis les voix. Tu peux mettre les voix de mes voix dans les réseaux sociaux de Zakati. Tu veux tellement que les gens te connaissent. Tu veux tellement être comme des stars. Tu ne me peux pas. Maman, prends ton voiture pour aussi à Dubaï. Va faire un tour à Dubaï, Zakati. Si tu es une femme, prends le voiture, va à Dubaï. C'est là-bas que même les Français, maman, Dubaï, c'est la plaque tournante des stars. Mais moi, je veux aussi aller à Dubaï. Pense si tu peux aussi à Dubaï. On voit. Il y a les prises. Il y a Herbe à Foussam là. Il y a un avion, on appelle ça Herbe à Foussam. Tu prends ça. Ça dépose les gens partout, oui. Même pendant l'avion. Mais là-bas, on. N'est-ce pas mon souci. Quand je veux penser à toi. Ouais, Choma. On dit, on dit, on veut. Moi, je dis, ouais, nous, Choma. Maman, bien, moi. Mais bon, bon, pas les conneries que tu dis là. Elle ne peut plus te clasher parce qu'elle est qui? Qu'elle essaye. Kati, cache-moi. Clash-moi, Kati. C'est pas une sale chose comme ça. Hein? Papa ne vois-tu pas, non? Mais attends, je sais pas, il y a Dubaï. Alors, tu es là en train de te battre les autres filles qui vivent en paix. Tu dois dire, maman. Tu sais depuis combien d'années je prends l'avion? Dans la pauvreté, mais moi je prends quand même l'avion. Hein. Va prendre Herbe à Foussam, salope. Bio. When you are always over, my. Yo, Jimmy, quand tu vas boire l'eau, tu vas penser à la veuve. Tu vas manger, tu vas penser à moi. Ils vont te traumatiser. Ta traumatisation, tu vas voir. Tu vas devenir ma serpillère. Tu me menaces une sale chose comme ça? Elle dit que j'arrive au Cameroun, elle va m'arrêter. Mouf! Tu vas arriver. Vas-y, me voici. Quoi? Elle dit comme ça, c'est comment venir m'arrêter là, il n'y a pas par rapport à quoi? Ça vous monte dans la tête? Vous voulez mettre une stampe d'Akata en prison? Maman, on va faire que ça dure là-bas. On va entrer que dans ta vie. Et il y a une regarde-moi ça. Une femme qui vit des escroqueries. Parce que tu as fait les petites tontines de 1 million, machin, parce que tous les gens viennent, les petites prostituées là-bas, même pas les prostituées, les gens qui viennent tontiner chez toi. Les fictifs.
un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Vous ne les remboursez pas. Ça devient des problèmes. Tous les jours, c'est ça là. Hein? Pas la bouche là. Allez me porter. Gardez-lui mon doigt. Moi, j'ai mon lobby, mon œuf. C'est mes lobbies qui est assis en face de toi. Hein. Oui, monsieur. T'as vu ici? Donc les gens, ils vont s'occuper que de nous. Ils n'ont pas de problème là-bas. Pour montrer que quoi la supériorité. Tu ne seras jamais supérieur avec moi. Jamais. Tu seras tu subalterne. Tu as cherché des problèmes et tu vas accuser. Même si tu as 20 000 personnes qui sont derrière toi, je m'en fous. La loi, c'est la loi. Tu te permets de faire une vidéo sur moi? Je te fais quoi? C'est toi qui enregistres les gens quand vous faites les conversations ensemble. Et c'est toi qui vas mettre les réseaux sociaux. Tu te permets, tu es qui? Qui t'a donné cette autorisation? On est ça? Hein? Je ne peux pas agir bifo, non, je ne veux pas. Je suis comme je suis. Pauvre, minable, pauvre. Je vous dois quelque chose. C'est tous les veuves qui ont la vocation d'être riches. Donc pour vous être veuve, être veuve de blanc, c'est l'argent. Maman. Je ne peux même pas. Je dis que hein, toi alors, je ne dis pas que tu es dernier, parce que tu n'es pas dernier. Parce que tu te bats. Tu fais absolument tout pour être comme les filles qui vivent avec. Maman, pas le vol même, tu parles même à Bafoussa. Tu parles le vol même. Tu pars à Dubaï. Là-bas, Dubaï, c'est la vie des stars. Moi-même, je rêve d'aller à Dubaï. Claire Dubaï. Tu es tellement riche. Tu as tellement ça. Moi, il n'y a qu'un biassé. Hein? Tu entends? On est un peu gentil. Moi, il n'y a qu'un biassé. On est minal, mis sauce. Tout ça, c'est toi, c'est. Mis sauce. Claire Dubaï. Tu vis avec un riche babliqué, machin. Un riche qui a l'argent, machin. Mais aussi. Tu ne peux pas te mesurer à moi. En aucun jour. Tu ne peux pas te mesurer à moi. Vous aimez les filles qui vous montrent les grandes villas, les marchés, là il y a le respect. Même si je vis dans une chambre, on joue en France ici. Tu ne m'atteindras jamais. Tu m'entends? Il faut aller à Dubaï. Maman, notre Dubaï, c'est son rêve là. Dubaï. Quel est Dubaï? C'est à côté. C'est l'Afrique, non? Afrique, c'est quoi, Afrique? Sans moyen, on ne réagit pas. Notre marque Chopin est parti à Dubaï, on a vu, hein. Ouais. T'as mal à Dubaï. Tu vis avec les riches. Et tu dis qu'il manque les esponges. Il y en a qui sont malins. Hein? Des... Elle manque les esponges. Hein? Imbécile. Quand tu manques les esponges, je vais t'abattre. Tu m'as vu? Comme ça, non. Tu as vu? Oui. Tu sais, je vois quoi? Je suis là, j'ai mis les Louis Vuitton lourds. Louis Vuitton lourds, édition illimitée. Tu peux mettre ça. Tu mets les tcha-tcha. Avec les faux tcha-tcha que tu mets là. Imbécile. Faut faire attention, hein. Faut vous respecter, hein. Vous avez des gens qui vous regardent, qui vous suivent dans vos bêtises là, il faut les respecter, hein. Tu ne gardes jamais rien. Je vais t'abattre. Baisser. Mais bon, c'est n'importe quoi, on est fatigué. De n'importe qui va se soulever chez la veuve joyeuse, même toi là. Il y a des gens que vraiment. Ah non. Je dis que non. La Wobin Tai. Toi si. Regarde-moi celle-ci. Hey! Parce que tu as une petite tontine et les petits gens qui viennent cotiser chez toi, tu te prends que tu es supérieur. Tu ne peux pas être supérieur. J'ai dit que l'histoire, s'il va aller. Ouais.
à la Cour pénale internationale, à la CPI. Je ne te mens pas. Je ne peux pas te laisser. C'est toi que j'attendais. Je ne veux même pas. Ne m'appelez même pas pour dire que. C'est toujours qui dit que moi, j'ai fait la paix. Il n'y a aucune paix de tout aussi. Aucune paix. Tu restes dans ta richesse, reste dans ma pauvreté. Mon billet d'avion coûte 1200 euros. Dans les 800 euros. 800 000 au Cameroun. Tu m'attends? Je vais venir là-bas. Je vais laisser ma vie dans les airs pour venir que tu m'enfermes au Cameroun. Vous aimez entendre. Les petits pauvres misérables femmes là qui vous conseillent derrière. Derrière le fer, il y a le fer. Pardon, je vous laisse mes warriors. Il y a des choses à faire. Je dois aller à Courbevoie. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ce soir, 20h, je vais te donner le motif. Mais j'aurai un motif que tu me clashes. Tu m'entends? Je vais te donner un motif que tu me portes plainte. Je vais t'inciter tous les jours que tu as, comme ça, tu vas me porter une vraie plainte. Nos anciennes vidéos sont là. Les anciennes vidéos sont là. Donc, je vous laisse. Chaque semaine, il y a de nouveaux dossiers. De tout ce, c'est toi. On dit que parfois, on gère les choses inbox. Bonne journée à ce soir. Merci. Bon, je remercie tout le monde qui a participé à cette vidéo du début jusqu'à la fin. Allez dire à Kati FMI. Kati FMI de la misère, la guerre. Avec moi, ce n'est pas comme ça. C'est toi qui t'incrustes chez les gens. C'est toi qui glades les hommes. Tu baisses même avec les serpents pour être ce que tu es. Parce que tu as tellement besoin de visibilité. Qu'on te connaisse. Mais moi, je n'ai pas besoin. Parce qu'on m'a vu. Moi, je viens à la Tour Eiffel. Moi, je vis à Paris. Paris, ce n'est pas donné. Tu m'entends? Donc, toi, c'est pour te dire, toi et ta bande de lécheuses là. Ta bande de sales pauvres misérables femmes d'accueil. Ne vous attaquez jamais à moi. Vous avez les moyens, vous avez quoi? Hein? Vous qui continuez cette tontine là. Les Parisiens là. Vous tontinez chez une. Mais les benguistes qui font les tontines là-bas. C'est bien les benguistes pour tontiner. Mais ce sont comportements. Et je vous dis, et je vous redis que cette fille va vous niquer. Ça va revenir trouver, c'est la toi. Je vous dis que Kati FB va vous niquer. Hein? Et ça va venir prouver sur la toile. Vous allez prouver, n'est-ce pas? Attendez. Quittez cette tontine là maintenant. Là. Quittez cette tontine. Cotisez pour votre argent. Quand ça recommence, vous n'entrez plus. C'est moi qui vous dis. Je suis au courant de beaucoup de choses. Avec des plots, j'ai jeté les noms. J'ai jeté les noms. Parce que pour l'instant, je préserve encore certains gens. Vous m'entendez? Quand il va vous dire non, vous allez dire non. Bonne journée, on est ensemble. Merci. Aujourd'hui.